être artiste, c'est la décision au long cours de voir et d'exprimer la vie autrement. Comme le petit poucet, nous semons des œuvres d'art pour ne pas se perdre. La Société protectrice du noble végétal cautionne toutes les interventions faites dans et avec la nature. Notre travail est intimement lié à notre vie personnelle, d'où l'utilisation de matériaux issus du quotidien. Être constamment surpris et provoqué par l'autre nourrit notre plaisir de créer. En pliant et dépliant une simple feuille de papier, on lui donne vie jusqu'à dialoguer avec elle. En demandant au spectateur de toucher l'œuvre, nous lui offrons la possibilité de se rapprocher de plus près de sa création. Le travail derrière COSIC est un dialogue entre deux égaux. L'entité COSIC a développé une vie propre et agit autant que Yvon et Monique dans la conception des œuvres. C'est plus intéressant de poser des questions que de trouver des réponses. La question est intemporelle, les réponses varient avec le temps. Contre la dictature de l'œil en art visuel, quoi de mieux que de toucher, sentir et écouter? Autant par la création de l'entité COSIC, par l'utilisation de matériaux non nobles, par le choix de l'éphémère, nous avons ouvert des portes et démantelé des barrières. Malgré toutes les explications qu'on peut donner sur notre recherche des années 60 à aujourd'hui, la couleur reste la ligne directrice de notre travail. Le code couronne est une réflexion sur la communication autant que sur l'incommunicabilité. Thank you.